Après quelques heures de pause, les députés ont repris leur débat marathon sur le mariage pour tous. Un débat une nouvelle fois parasité par la question de la PMA, la procréation médicalement assistée. Les dernières déclarations contradictoires entre le Premier ministre et la ministre de la Famille ont jeté le trouble sur les intentions réelles du gouvernement. Alors Jean-Marc Ayrault promet en tout cas d'étudier le sujet de la PMA avant la fin de l'année, après avis consultatif du comité d'éthique, car le dossier, il est vrai, est sensible. Il dépasse largement le cadre médical. Pierre Didier. Il y a plus de 30 ans, Amandine venait au monde. Premier bébé conçu dans une éprouvette, le sperme est de son père, l'ovule de sa mère. Difficile d'imaginer alors que la procréation médicalement assistée permettrait de donner naissance chaque année à plus de 22 000 enfants issus de couples infertiles. Le professeur Friedman était de ceux qui ont fait naître Amandine. Il a aussi accouché le premier bébé issu d'un embryon congelé. Avec les dons de sperme et d'ovocytes, il a vu grandir les attentes et les frustrations de la société. Si vous prenez un couple homme-femme qui souhaite un enfant en PMA, un sur deux aura un enfant et l'autre ne l'aura pas. Parce que, je veux dire, il faut arrêter de faire croire que tout est possible. Donc ce n'est pas possible déjà pour des couples hétérosexuels. Pas tout le monde ne peut avoir l'enfant qu'il souhaite, et en plus en bonne santé, n'est-ce pas? Pour des couples homosexuels, eh ben, il y a des impossibilités parce qu'elles sont contraires à certaines règles éthiques que l'on se fixe. Après la naissance d'Amandine, premier bébé éprouvette, avait été créé le Comité national d'éthique. 31 ans plus tard, la même institution se retrouve à la croisée des chemins. Ses 40 membres, médecins, juristes, sociologues, vont être sollicités pour rendre un avis. Faut-il ou non changer le cadre éthique de la procréation? Pour l'instant, la loi définit les indications de l'assistance médicale à la procréation d'une manière qui se limite au traitement de la stérilité dans un couple constitué par un homme et une femme. Est-il souhaitable ou non souhaitable que la médecine répondent à des souhaits, à des désirs des personnes et de la société, indépendamment, encore une fois, de la prévention et du traitement des maladies. Il faudra des mois aux sages pour conduire leurs réflexions. Le temps de l'éthique n'est pas celui de la politique.